Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie du DIES 2021, dont le thème est l'incertitude, pour dire et redire à quel point affronter et apprendre à gérer celle-ci est au cœur de la mission de l'Université de Lausanne. Cette cérémonie du DIES clôt un semestre bien étrange, puisqu'il a eu lieu essentiellement en ligne. Elle est aussi exceptionnelle puisque les dispositions sanitaires nous contraignent encore à appliquer les modalités de réunion à distance apprises pendant les 15 derniers mois. Nous nous sommes efforcés de nous y plier tout en préservant l'esprit et le message essentiel de cette cérémonie qui comprend des parties filmées en direct, sur place, mais aussi des parties en différé. Le DIES est notre jour de fête. C'est l'occasion de rendre hommage à toutes celles et ceux qui font vivre notre université. C'est l'occasion de saluer et de remercier ses anciens membres, ses amis et toutes celles et ceux qui, d'une façon ou d'une autre, la soutiennent. C'est l'occasion d'honorer des personnes dont les travaux ou le parcours de vie ont contribué de façon exceptionnelle à l'avancement de nos connaissances. Et enfin, de remercier les autorités politiques dont le soutien est indispensable à la vie de notre institution. C'est avec un plaisir particulier que je salue les personnes que nous avons pu inviter dans cette salle. Particulier car leur présence nous honore, et particulier aussi car c'est la dernière fois que j'ai l'honneur de les saluer en tant que rectrice de l'Université de Lausanne. Madame la conseillère d'État, chef du département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud. Mesdames la directrice générale et la directrice adjointe de l'enseignement supérieur du canton de Vaud. Monsieur le président du conseil de l'Université de Lausanne. Mesdames les coprésidentes de la Fédération des associations d'étudiantes et étudiants de l'UNIL. Monsieur le recteur désigné. Mesdames et messieurs les lauréats des distinctions académiques remises ce jour et leurs invités. J'adresse ensuite mes salutations aux personnalités qui interviendront sous une forme différée. Mesdames et messieurs les vice-recteurs, vice-rectrices, en fonction et désignés. Madame la doyenne et messieurs les doyens de nos facultés. Monsieur le conseiller d'État du canton de Berne, monsieur le syndic de la ville de Lausanne, monsieur le président de la Société académique vaudoise. Et finalement, vous toutes et tous que nous avons invités à suivre notre cérémonie par le biais d'un clic, mesdames et messieurs les membres, représentantes ou représentants de la fonction politique ou publique régionale, cantonale ou nationale, des institutions universitaires et des hautes écoles, des instances académiques de formation ou de recherche, de toute la communauté de l'Université de Lausanne. Je vous remercie de votre présence, ici ou en ligne, et de votre soutien. Nous avons confié cette année la conduite de cette cérémonie à Madame Nathalie Randin, à laquelle je passe donc le témoin. Merci. Merci, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un immense plaisir de vous accueillir ici dans l'auditorium du Vortex. Nous avons la chance de vivre cette cérémonie avec une quinzaine de personnes présentes et je salue bien évidemment toutes les personnes qui nous suivent en ligne et vont vivre cette cérémonie de façon virtuelle. Pour ouvrir la partie des discours officiels, j'ai le plaisir d'appeler Marc-Olivier Boldi, président du Conseil de l'Université de Lausanne. Madame la conseillère d'État, Madame la rectrice, chers membres de la communauté universitaire, chers invités, chers spectateurs, mesdames et messieurs, permettez-moi pour cette allocution de prendre le contre-pied du thème du Dies Academicus de cette année, « Braver l'incertitude », en ne vous parlant pas d'incertitude, mais bien de certitude. Car des certitudes, nous en avons eu cette année. J'en ai eu. Et elles ont jalonné 2021 aussi sûrement que les panneaux fléchés bordent un chemin de randonnée en indiquant la direction à suivre. La certitude tout d'abord de la mission essentielle remplie par le Conseil de l'Université. Le Conseil, c'est cet organe de l'Université un peu abstrait dont personne ne se souvient vraiment. Une réunion occasionnelle de 44 membres élus. Les seuls membres élus représentants de tous les corps de l'UNIL. Les professeurs, le corps intermédiaire, le personnel administratif et technique,
et le corps estudiantin pour valider les comptes et budgets, le rapport de gestion de l'université, pour questionner la situation de la liberté d'expression à l'université. Entre collaboration avec la direction et interrogation inhérente à sa fonction de contrôle, parfois polémique, le Conseil veille sur les intérêts de la communauté universitaire. Et de temps en temps, le Conseil est saisi pour des questions plus occasionnelles, mais tout aussi importantes. Ainsi, qui peut faire la pesée d'intérêts lorsque, relayés par les associations, les étudiantes et étudiants appellent à des modifications profondes des conditions d'examen pour soulager leurs difficultés inhérentes aux conséquences de la pandémie ? C'est alors que le Conseil joue son rôle à plein. Autour de lui se réunissent directions, doyennes et doyens de toutes les facultés, associations représentant les étudiantes et étudiants, afin d'expliquer, exposer, débattre et finalement voter en toute responsabilité les adaptations au règlement d'examen à venir. Comment ne pas être certain qu'il n'y a pas d'autre voie que celle de cette démocratie, du travail collectif, afin d'arriver à un compromis qui préserve la cohérence de la communauté universitaire et garantisse au mieux la compréhension par toutes et tous des règles partagées. Ma deuxième certitude est que les effets de cette mission sont importants et pérennes. Je me permets ici de faire le parallèle avec le chercheur universitaire. Certains des effets positifs de sa recherche sur la que sa recherche aura sur la société dans le futur, et peut-être un futur très lointain. Il y a bien des points communs entre cette certitude ponctuée de regards interrogatifs lorsqu'il explique sa recherche à sa famille ou à ses amis, et celle du membre du conseil qui vote un règlement, suggère une modification directive, interpelle la direction. Ce membre est souvent certain que seuls peu percevront l'intérêt immédiat de ces tracasseries réglementaires et administratives. Pour ma part, mes étudiants accordent plus d'importance au contenu de mes cours. Enfin, j'espère. Ce n'est pas dans la reconnaissance immédiate qu'on trouve la récompense de son investissement, mais dans la certitude du bien fondé de ses actions pour la communauté. Ma troisième certitude, enfin, est celle de la qualité des gens qui s'engagent à travers le conseil de l'université et de son bureau, que je salue au passage, et de manière plus générale à l'université, que ce soit dans ses instances les plus élevées, parmi ses employés de terrain ou parmi les étudiants impliqués dans la vie universitaire. Car c'est bien dans les moments de crise que naît la certitude de leur investissement, de leur probité, de leur dévouement à tous les niveaux. J'en profite pour féliciter les titulaires du doctorat honoris causa de cette année, ainsi que les lauréats du prix de la Société académique vaudoise, du prix de l'Université de Lausanne et du prix de l'État de Berne, qui, à bien des égards, font partie de cette communauté qui transcende les frontières de l'UNIL. Grâce à toutes ces personnes, la communauté universitaire a su rester un pilier durant cette pandémie, qui, me semble-t-il, a valorisé le rôle de la science et du scientifique. Rôle, aujourd'hui plus que jamais, ancré pour relever les défis à venir, qu'ils soient sanitaires, environnementaux ou sociaux. En conclusion, il me semble que, pour braver les incertitudes de 2021 et celles de 2022, il nous faut des certitudes, des épaules sur lesquelles nous appuyer, des bras pour nous soutenir. Mesdames et messieurs, après les profondes remises en question de 2020, je ne crois pas me tromper en vous appelant au nom du Conseil de l'Université à être ses épaules et ses bras, pour que toutes et tous ensemble, nous puissions entrevoir ce qui se cache de plus grand derrière les incertitudes de 2021, un espoir. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marc-Olivier Boldy. Et mesdames et messieurs, chaque année, les associations d'étudiants participent au Dies Academicus. J'ai le plaisir d'appeler Léa Pacozzi, la coprésidente de la Fédération des associations d'étudiants. Madame la conseillère d'État, madame la rectrice, madame la vice-rectrice et messieurs les vice-recteurs, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, mais surtout, chers étudiants et chères étudiantes. Cette année académique a été l'une des plus difficiles que l'université ait connue et a nécessité des efforts de la part de tout le monde pour s'adapter à ce semestre d'exception. Elle a été éprouvante, tant pour la direction, l'administration, les professeurs, que pour les étudiants et étudiantes. Néanmoins, nous voudrions aujourd'hui témoigner au nom de la communauté étudiantine, qui n'a été que peu entendue depuis le début de cette crise. Ils et elles n'ont pas pu profiter d'une expérience universitaire aussi riche que d'ordinaire. Toute sa dimension sociale et stimulante qui lui est associée a été mise en suspens par la situation actuelle.
Nous aimerions donc aujourd'hui raconter ce nouveau vécu universitaire, mais également vous féliciter et vous encourager, vous étudiants et étudiantes. Plus qu'éprouvante, cette année a été invivable pour certains et certains d'entre nous. N'oublions pas qu'une large partie de la population étudiante doit se reposer sur de petits emplois pour pouvoir avoir accès aux études supérieures. Or, ceux-ci n'ont fait que se tarir pendant l'année, laissant notre population précarisée et soumise à une angoisse constante. Celle-ci n'a fait que s'empirer avec la distance imposée par les cours en ligne. Nous avons toutes et toutes dû apprendre à vivre seule cette expérience d'enseignement à travers un écran. Il est ici question de ne pas minimiser la difficulté de cet apprentissage. C'est écouter un ou une professeure monologuer devant des écrans noirs. C'est lire des noms sur un écran sans en connaître les visages. C'est rester passif et sans savoir comment établir un lien à travers une breakout room. Même si ces éléments pourraient paraître anodins à certains auditeurs et certaines auditrices, il est en fait question de la santé mentale des étudiants et étudiantes. Au début de ce semestre, seuls 50% d'entre nous se sentaient psychologiquement bien dans cette situation, selon un sondage mené par notre fédération. À tout cela s'ajoute l'effort demandé pour braver l'incertitude. Cette année a été rythmée par les restrictions et assouplissements, qui nous ont tantôt donné espoir et tantôt donné l'impression d'une crise interminable. Sans oublier que le Conseil fédéral a tardé à mentionner la population étudiantine, ce qui n'a pas aidé à lui donner un sentiment d'écoute et de soutien dans ce climat anxiogène. L'université a donc dû s'adapter au fur et à mesure pour offrir un enseignement adéquat. Les étudiantes et étudiants ont ainsi vécu leur semestre sans cesse chamboulé, ce qui a été particulièrement rude. En septembre, l'université rouvrait ses portes en commodal, puis les refermait quelques semaines plus tard, et ce jusqu'en mai. Ainsi, nous avons commencé l'année académique dans un climat imprévisible et la finissons dans la longueur et la fatigue. La durée de la crise et son effet sur la santé mentale des étudiants et étudiantes est donc bien loin d'être anodine et doit être prise en compte. Apprendre à se construire en tant qu'étudiant et étudiante dans ce contexte demande une grande force d'adaptation. Nous voudrions donc accorder une pensée toute particulière aux premières années qui n'ont pas pu faire les rencontres permettant de s'y adapter. Ils et elles ont en effet dû passer du gymnase à l'université sans le soutien des pairs et la possibilité d'interagir avec leurs professeurs. Les différentes instances de l'université ont pris conscience de ces difficultés en discussion avec les représentants étudiants et ont travaillé avec les services cantonaux pour conserver un climat aussi sain que possible. Malheureusement, cela n'a pas toujours été suffisant. Le semestre à venir est encore nimbé d'incertitudes. Néanmoins, le vaccin actuellement administré à la population et les efforts faits jusqu'ici laissent présager une rentrée plus proche de ce dont on a l'habitude. Il sera nécessaire pour la communauté universitaire de reconstruire les liens qui lui étaient auparavant caractéristiques. Certains et certaines d'entre nous rencontreront leurs camarades et donc créeront ce premier cercle social qui n'a pas pu être construit jusqu'ici. Il nous faudra également apprendre ou réapprendre à étudier à l'université, à nous réadapter à la normalité. Les membres de notre université devront ainsi reconstruire l'institution en tant que lieu de vie. Il sera donc important de soutenir celles et ceux qui ont dû mettre leurs activités en suspens, que ce soit nos cafétérias, les associations ou encore le centre sportif. N'oublions donc pas de collaborer pour nous reconstruire et braver encore une fois l'incertitude à venir. C'est ensemble et en s'entraidant que ce retour à la normale pourra se faire au mieux. Nous sommes navrés d'être encore une fois revenus sur le Covid, qui remplit aujourd'hui tous les éléments de notre quotidien. Néanmoins, il nous semblait essentiel d'insister sur les difficultés vécues ce semestre, afin que celles et ceux qui nous regardent puissent en prendre conscience et que nous n'oublions pas que les sacrifices que notre communauté a fait cette année. Nous aimerions finalement applaudir les efforts faits jusqu'ici et surtout féliciter la communauté étudiantine pour les énormes défis qu'elle a su relever. Étudier dans ces conditions et réussir à avancer dans ses études malgré tout n'est pas anodin et mérite d'être salué. Plus largement que la réussite de vos cursus, la communauté étudiantine peut être fière d'avoir su rester unie, solidaire et persévérante. Nous avons su réunir toutes les compétences nécessaires à braver l'incertitude tout en continuant à avancer et collaborer, et pour cela bravo. Finalement, nous ne pouvons que vous souhaiter beaucoup de courage pour la session à venir et un bon été. Au plaisir de vous retrouver toutes et tous en septembre dans un climat qui, nous l'espérons, sera plus serein. Merci beaucoup Léa Pacozzi. J'ai le plaisir et l'honneur d'appeler la conseillère d'État Cesla Marel, directrice du département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, pour son allocution.
Madame la rectrice, monsieur le recteur désigné, mesdames et messieurs les membres de la communauté universitaire, chers invités, nous arrivons au terme d'une année académique qui nous aura tous profondément marqués. Avec la pandémie, l'Université de Lausanne, malgré sa longue histoire, a connu une épreuve sans précédent et le passage à l'enseignement à distance a obligé à tout repenser et à tout redéployer. Cette année, l'UNIL fait la démonstration de sa capacité de résistance. Elle a su maintenir le cap de cette période marquée par l'incertitude. Et d'emblée, je tiens vraiment à vous remercier et à vous féliciter, tous les corps de l'université, les étudiants, les assistants, le personnel administratif et technique, le corps professoral et bien sûr l'équipe de direction emmenée par la rectrice Nouria Hernandez. À tous, merci de votre engagement sans faille qui a permis de garantir les activités de recherche et d'enseignement. Et pour cela, je vous adresse ici toute ma reconnaissance. Disons-le d'emblée, nous avons traversé de très importantes difficultés et les efforts consentis vont laisser des traces. L'expérience d'un enseignement dégradé de sa nature collective donne à des générations entières d'étudiants et de professeurs une soif inédite pour la reprise de la vie en commun et a fait prendre conscience de la nécessité vitale de concevoir l'université comme une institution avant tout sociale. Aujourd'hui, la santé des membres de la communauté universitaire est un sujet de préoccupation, particulièrement s'agissant des étudiants. Burn-out, isolement et précarité sont des réalités. Cette situation inhabituelle requiert toute notre vigilance et toute notre bienveillance. Même s'il est encore trop tôt pour évaluer les dommages collatéraux de la crise sanitaire, nous pouvons toutefois avoir une certitude. L'université est plus que jamais requise et préparée pour résoudre les problèmes contemporains, tant dans sa mission de formation que dans sa mission de recherche. Pensons aux enjeux sanitaires qui ne nous lâcheront pas, aux enjeux environnementaux, sociaux ou économiques qui leur sont associés. À titre d'exemple, cette année a été particulièrement marquée par l'histoire du vaccin contre le Covid. C'est une histoire qui nous apprend les vertus de l'agilité et de la persévérance, deux remèdes contre l'incertitude et le pessimisme. Souvenons-nous, il y a un an, nous sortions de l'épreuve du confinement, le vaccin était évoqué comme un pas nécessaire pour entrevoir le bout du tunnel de la crise sanitaire. Le scepticisme, franchement, il dominait quand il s'agissait d'envisager un vaccin rapide. Et contre toute attente, une technologie encore jamais éprouvée sur l'homme a permis de proposer, plus vite encore que les pronostics les plus optimistes, deux vaccins efficaces à plus de 90% contre le Covid. Et surprise, ce sont des outsiders, des jeunes pousses de la biotech, qui ont raflé la mise. L'histoire des vaccins n'est certes pas toute rose, mais ce qui est important, c'est qu'elle plonge ses racines dans des laboratoires de plusieurs pays riches d'une forte tradition de recherche. Les États-Unis, bien sûr, mais pour les étapes décisives, c'est en Europe que cela s'est passé, surtout en Allemagne et puis aussi en Suisse. La technologie ARN messager était explorée depuis longtemps. 30 années de recherche fondamentale ont cerné son potentiel et préparé le terrain aux deux vaccins de BioNTech et de Moderna, aujourd'hui utilisés pour protéger la population suisse. Les scientifiques qui ont approvisionné l'ARN messager ont longtemps travaillé dans l'isolement. Sans grands moyens, ils ont dû vaincre le scepticisme de leurs collègues, de leurs supérieurs, de leur université. Certains ont parfois été marginalisés dans leur institution. C'est ce qui est arrivé à Cataline Carico, la femme qui est le visage de cette folle aventure scientifique et technologique. Hongroise d'origine, elle a grandi dans une petite ville où son père était boucher. Tôt, elle s'est prise de passion pour les sciences. Elle a choisi le terrain aride de la biochimie et s'est passionnée pour l'ARM, qui est le cousin de l'ADN. En 1985, Cataline Carico quitte la Hongrie où elle ne peut plus progresser dans ses recherches. Elle gagne alors les États-Unis où tout lui semble promis. Mais le Gotha médical américain ne pense que thérapie génique. Or, Cataline Carico redoute les pièges éthiques des méthodes qui bricolent les gènes.
La chercheuse exprime ses doutes, elle est alors mise un peu sur la touche. Pourtant, elle s'accroche à sa conviction. L'ARN a un potentiel immense pour soigner des maladies. Ses cibles seront le cancer, les virus, les défaillances immunitaires. Elle continue à publier des articles à coups de découvertes. Le rêve d'utiliser l'ARN comme agent thérapeutique prend forme. Si les États-Unis boudent ses recherches, l'Europe lui fait les yeux doux. Notamment deux start-up allemandes qui ont des programmes ambitieux de vaccins anti-cancer à base d'ARN. L'une d'entre elles, BioNTech, a été créée par un couple de Turcs, de Secundos, Özlem Türeci et Uğur Sayın, qui ont grandi à Mayence et où ils sont devenus chercheurs en oncologie et entrepreneurs. En 2013, le couple convainc Cataline Carico de travailler pour eux. Fin 2019, lorsqu'ils entendent parler du coronavirus arrivant de Chine, ils lancent toutes leurs forces dans la recherche du vaccin avec le succès que l'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, il faudra, mesdames et messieurs, beaucoup de vigilance pour s'assurer de l'efficacité et de l'innocuité des vaccins ARN. Et l'avenir dira si la crise du Covid, en concentrant énergie et financement sur cette technique, aura déclenché une révolution médicale plus large. Mais aujourd'hui, on peut d'ores et déjà dire que cette histoire du vaccin est inspirante pour toute la communauté scientifique. Et la Suisse dans tout ça ? Eh bien, la Suisse, il y a 10 ans, l'entreprise chimique Lonza faisait le pari industriel des biotechnologies. À l'époque, des contacts étroits se font, notamment avec les PFL, elles-mêmes engagées dans les sciences de la vie, et elle avait déjà préparé ce virage. Lonza apporte aujourd'hui son savoir-faire manufacturier pour fabriquer le vaccin ARN de Moderna. Cette étape industrielle exploite des technologies issues de la biochimie qui sont d'une extrême complexité. Mesdames et messieurs, la pandémie a fait souffler un fort vent de tempête. Mais l'histoire du vaccin doit nous rendre optimistes. L'Arc Lémanique, devenu un pôle majeur de la biotech en Europe, a de nombreux atouts pour écrire la suite de l'histoire. Recherche performante dans nos hautes écoles, coopération forte et intense avec 2 hôpitaux universitaires reconnus mondialement, start-up agile dans l'écosystème dynamique créé autour du site universitaire, ce sont les ingrédients indispensables pour concrétiser les promesses nées de la saga du vaccin ARN messager. À nous de développer encore cet écosystème en lui garantissant d'excellentes conditions cadres. Le gouvernement vaudois est conscient qu'il s'agit là d'un enjeu stratégique majeur pour le canton et pour la Suisse. Nous venons d'ailleurs d'adopter cette semaine un crédit d'ouvrage sur l'agrandissement du campus de d'Origny pour la création du centre dédié au développement de la cryomicroscopie électronique à transmission, le CryoTEM, qui s'installera à terme dans le futur bâtiment des sciences de la vie. En ce moment, il y a certainement de moins bonnes nouvelles. L'actualité politique, c'est aussi la décision du Conseil fédéral d'abandonner l'accord institutionnel avec l'Europe. On ne peut que regretter la situation ainsi créée qui pourrait se révéler dommageable pour nos universités. Bien sûr que la problématique sous d'autres aspects est compliquée, mais cet accord aurait évidemment simplifié les discussions sur l'arrimage durable de la recherche suisse au grand programme de recherche de l'Union européenne. Mais en tirant le trait sur 7 ans de dialogue politique, le Conseil fédéral crée une réelle déception à Bruxelles et pas mal d'incompréhension parmi les États membres. Cette décision souveraine de la Suisse implique que les relations bilatérales avec l'Union européenne soient au point mort sans nouveau mandat de négociation. Or, vous le savez, s'agissant de la recherche, il y a pourtant urgence. Horizon Europe 21-27, qui démarre maintenant, est le programme le plus ambitieux jamais lancé par l'Europe. L'Union européenne aura besoin de temps pour digérer l'échec de la négociation et en analyser toutes les conséquences pour ses propres intérêts. Nous devons donc nous résoudre à attendre une période et aussi être dans une période de grande incertitude pour nos universités et pour les écoles polytechniques. Ces prochains mois, il faudra répéter inlassablement que la science ne peut pas être l'otage de la politique, car la science ne connaît pas de frontières. L'histoire du vaccin anti-Covid en témoigne. La mobilité des chercheurs et la coopération scientifique sont indispensables au développement de la science, des technologies, de l'ingénierie et de la santé. Les avancées scientifiques nécessitent un échange continu d'idées, de partage, de données et de création de réseaux. Et de tels partenariats ont été magnifiquement soutenus par l'Europe et la Suisse a toujours su apporter sa solide contribution. Le risque, pourtant, c'est que l'abandon de l'accord interinstitutionnel déclenche
une érosion de ces partenariats scientifiques, alors qu'il est essentiel, plus que jamais, de les préserver et de veiller à ce que les mêmes règles de l'Union européenne s'appliquent aux jeunes scientifiques qui passent du temps dans un pays de l'Union européenne, en Suisse ou dans le Royaume-Uni. En particulier, nous devons plaider pour une participation équitable de la Suisse et du Royaume-Uni au nouveau programme cadre Horizon Europe 21-27. Sans se bercer d'illusions, nous devons croire qu'une forme d'association pourra être trouvée sous réserve d'accords financiers et de gouvernance réajustée. À la fin, tous les États européens, Suisse et Royaume-Uni compris, ont intérêt à serrer les rangs et à améliorer la capacité de recherche européenne, car la compétition scientifique ne se joue pas entre États, mais bien entre continents, Europe, États-Unis, Asie. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes le jour du DIES et nous regardons de l'avant. Nuria Hernandez et son équipe vont bientôt quitter la direction. J'en profite pour les remercier très vivement et très sincèrement d'avoir tenu le cap durant toute cette crise si dure. J'aimerais aussi les remercier pour avoir tellement travaillé avec un engagement sans faille durant toutes ces années pour que l'université poursuive son développement. La rectrice et son équipe ont toujours soutenu le développement de l'université et le développement de toute sa communauté académique, y compris de toutes ses libertés. Étudiants, assistants, professeurs et chercheurs, il est important que tous puissent évoluer dans un écosystème stable, prévisible et bienveillant. Un écosystème qui respecte le rythme lent de la science et qui soutient aussi les Catalines Caricot qui s'engagent sur les sentiers buissonniers. L'histoire de la science montre que c'est dans l'exploration des chemins de traverse de la recherche fondamentale que naissent le plus souvent les nouveaux savoirs. Les récents prix Nobel lémaniques l'avaient déjà rappelé dans leurs travaux sur les mystères de la matière et de l'univers. La joie de connaître et d'apprendre vont toujours rester sur le site de l'université. Elle reste inscrite profondément au cœur de la mission de notre université, peu importe les difficultés et les incertitudes traversées. Bientôt, une nouvelle équipe de direction, avec Frédéric Hermand à sa tête, reprendra les rênes en août prochain. Son arrivée nous réjouit. Elle coïncidera avec la réouverture des auditoires et la reprise d'un élan nouveau pour la vie du campus. Ensemble, nous devrons défendre les programmes de recherche, soutenir les moyens et les structures qui permettent de développer l'enseignement, la recherche et leur liberté dans notre université. L'aventure va continuer. Ça, c'est sûr. C'est une aventure qui requiert, on l'a vu, beaucoup d'agilité et de persévérance. Et pour tout cela, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle suite et une bonne fin d'année académique. Merci beaucoup. Merci, Madame la conseillère d'État. Mesdames et messieurs, avant d'entendre le discours de la rectrice de l'Université de Lausanne, Nuria Hernandez, je vous propose une pause musicale. Nous allons retrouver les chanteurs et les musiciens de la Gustave Academy durant notre matinée. Cette association a été créée à Fribourg il y a 3 ans. Elle permet à de jeunes talents de jouer dans des groupes mixtes composés de musiciens de différentes régions linguistiques. Voici Igor Ioff et Chris Samuel dans Your Summertime. Anymore.
try my best to fight when I'm on my own. Can it last? I wait by the door. I woke up the past when I look below. Nous voici presque à la fin du mandat de la direction actuelle, puisqu'il se terminera à fin juillet. Le moment peut-être de faire un bilan. Je préfère n'évoquer que deux événements pour illustrer les cinq dernières années qui, il faut bien le dire, nous ont amené le meilleur et le pire. L'histoire commence avec le meilleur. Nous sommes le 4 octobre 2017 et sortant d'une réunion, je me dirige vers le bâtiment Unicentre, lorsque je remarque une espèce d'effervescence inhabituelle. C'est alors que le vice-recteur Benoît Frein m'annonce la nouvelle. Nous avons un prix Nobel à l'Université de Lausanne. Pour moi, cette nouvelle est extraordinaire pour au moins deux raisons. À part la joie de voir mon collègue Jacques Dubochet ainsi reconnu, la nouvelle confirme de façon éclatante qu'en Suisse, nous sommes capables d'avoir des universités cantonales de niveau mondial, une constatation encore renforcée par les prix Nobel obtenus 2 ans plus tard à l'Université de Genève. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'excellence est souvent considérée comme absolument indissociable de la sélection la plus dure. Les universités américaines les plus renommées, par exemple Stanford ou Harvard, ont accepté respectivement 5,2 et 4,9% des jeunes qui ont postulé chez elles en 2020. Et il faut bien se rendre compte que seuls les étudiantes et étudiants avec les meilleures notes et les moyens financiers se donnent même la peine de postuler pour le privilège d'étudier à ces universités. Les prix Nobel à Lausanne, puis à Genève, démontrent que l'on peut avoir une université au service d'une population, en l'occurrence de notre population, ouverte à tous les jeunes qui ont la capacité de faire des études et être au sommet de l'excellence.
Deux années s'écoulent, pendant lesquelles les projets de la direction continuent d'avancer. Je ne les décris pas ici. Ils sont évoqués dans le film rétrospective qui sera projeté vers la fin de la cérémonie. Mais voici que nous nous trouvons en mars 2020, au début de ce qui s'avérera être une pandémie qui a tué jusqu'ici plus de 3,5 millions de personnes dans le monde. Dès le lundi 16 mars 2020, l'université ferme après quelques jours de préparation frénétique. S'ensuit le passage en mode télétravail pour la grande majorité des milliers de collaboratrices et collaborateurs qui travaillent à l'UNIL, et donc le passage en ligne de toutes les fonctionnalités de l'UNIL. En parallèle, l'enseignement passe lui aussi en ligne, puis continue selon des modalités qui sont constamment adaptées aux prescriptions sanitaires. Une rentrée 2020 partiellement en présence, puis nouveau basculement complet vers l'enseignement à distance à la fin octobre 2020. Organisation d'examens en présence et à distance au gré des évolutions des consignes sanitaires. Et en arrière-plan, dans la mesure du possible, la continuation par des chercheurs tenaces des projets de recherche et, ce que je trouve admirable, le développement de nouveaux projets de recherche qui utilisent la crise comme sujet d'étude. Il semble maintenant que la crise Covid touchera à sa fin cet été, du moins dans notre pays, même si de nouvelles souches virales inquiétantes circulent pas loin de chez nous. Nous pouvons donc entrevoir une rentrée 2021 dans des conditions de réouverture large ou peut-être même complète de l'université. Nous entendons beaucoup de personnes qui nous demandent que tout soit comme avant. Et la majorité des enseignants et des étudiants s'accordent à souligner la nécessité absolue de donner les cours en présence. Nous sommes bien d'accord. Mais nous entendons aussi des personnes qui ont grandement apprécié certains aspects du travail à distance. Pour ne donner que quelques exemples, la liberté de pouvoir visionner ou revisionner des cours à volonté. Un mode d'enseignement perçu parfois comme plus décontracté et facilitant les questions. Et bien sûr, un mode plus pratique et accessible pour des étudiantes et étudiants avec certains handicaps. Du côté du personnel administratif et technique, la possibilité de pouvoir se concentrer sans interruption, le gain de temps permis par la rareté des déplacements. Pour nos enseignants et enseignantes-chercheurs, la découverte des colloques et conférences, certes sans la convivialité et l'échange d'informations qui caractérisent les parties informelles de tels événements, mais aussi sans la perte de temps des voyages et sans la cohue des gares et des aéroports. Il est évident que l'après-Covid ne sera pas comme avant. Nous ne sortirons pas inchangés de cette crise, et c'est tant mieux. En fait, les changements sont déjà en route, avec par exemple de nouvelles dispositions sur le télétravail et pour l'enseignement, des dispositions transitoires en attendant les résultats d'études approfondies. Les derniers 18 mois nous ont appris de quoi nous sommes capables. À nous donc de tirer tous les aspects positifs de la crise que nous venons de vivre et vivons encore, et à nous d'en éviter les aspects négatifs à l'avenir. Et à nous enfin de nous refocaliser sur ce qui nous préoccupe depuis des années et ce sur quoi l'Université de Lausanne fait déjà figure de pionnière. La recherche de solutions durables pour une humanité qui vit au-dessus des moyens de la planète. Autrement dit, tout simplement au-dessus de ses moyens. Quant à l'incertitude, celle dans laquelle nous vivons depuis bientôt une année et demie, elle est en fait toujours présente, même si elle est parfois plus facile à ignorer. Ainsi, la récente renonciation par le Conseil fédéral de conclure un accord cadre avec l'Europe plonge la Suisse, ses universités et sa recherche dans une situation on ne peut plus incertaine. Mais comme l'ont dit nombre de scientifiques et nombre d'artistes, l'incertitude mène à la créativité. Milton Glaser, graphiste et typographe new-yorkais qui est décédé l'année dernière, à qui on doit par exemple l'affiche montrant la silhouette de Bob Dylan de profil avec une chevelure psychédélique, ou encore le logo « I love New York » que tout le monde a vu, disait, je cite, « La certitude est une fermeture de l'esprit. Pour créer quelque chose de nouveau, il faut douter. »
C'est un peu ce que nous essayons d'exprimer en 2016 déjà, lorsque nous écrivions dans notre plan d'intention que pour préparer nos étudiants aux défis actuels, il fallait, je cite, « favoriser chez nos étudiants et étudiantes l'acquisition d'une culture de la recherche scientifique qui les confronte à l'incertitude à laquelle doivent faire face celles et ceux qui touchent aux limites de la connaissance. Incertitude qui développe leur curiosité, leur esprit d'initiative et leur capacité à gérer la complexité. En cette fin de mandat, je souhaite à l'UNIL de pouvoir continuer à être une université agile, qu'elle puisse s'adapter aussi rapidement que nécessaire, non seulement pour répondre aux besoins de nos jeunes et de notre société, mais aussi pour les anticiper. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nuria Hernandez. Le Dies Academicus est l'occasion pour l'Université de Lausanne de rendre hommage à toutes les personnes qui la font vivre. Nous honorons aujourd'hui des personnalités qui se distinguent par la qualité de leur activité scientifique et par leur parcours de vie remarquable. Nous voici arrivés à l'un des moments forts de cette cérémonie, la remise des doctorats honoris causa. Cette année, ces titres honorifiques seront décernés sur proposition de la Faculté des Lettres, de la Faculté des Hautes Études Commerciales et de la Faculté des Géosciences et de l'Environnement. Je cède la parole à la rectrice pour diriger leur remise. L'UNIL se fait un point d'honneur d'inviter chaque année dans ses murs les personnes qu'elle souhaite distinguer. Celles-ci font en retour à l'UNIL l'honneur du déplacement, parfois très long, pour recevoir en main propre le diplôme requis. Sans surprise, les conditions de lutte contre le coronavirus exigent cette année encore une adaptation de cette pratique traditionnelle. Nous avons donc recouru à tout ce que permettent les moyens de communication pour maintenir l'esprit de la remise des distinctions et permettre à la personne honorée de se sentir intégrée pour un instant dans la communauté de l'UNIL. Ainsi, vous pourrez comprendre la démarche scientifique qui a motivé l'UNIL à honorer chaque lauréate ou lauréat en écoutant sa présentation, suivie d'une interview accordée en ligne, accessible sur la page web de cette manifestation. En retour, nous avons demandé à chacune des personnes honorées une brève réaction à l'annonce de sa laudatio. Mais ce n'est pas cette procédure adaptée qui fait de cette cérémonie 2021 une première dans l'histoire de l'UNIL. Ce qui en fait une première est le fait que l'ensemble des trois doctorats honoris causa remis cette année par l'UNIL le sont à des femmes. Je procède donc en premier lieu à la remise du docteur honoris causa à Madame Jacqueline Autier-Revu sur proposition de la Faculté des Lettres. Madame Autier-Revu est professeure de linguistique française. Je vous invite à trouver sa présentation par le doyen de la Faculté des Lettres ainsi qu'une interview sur le site unil.ch/diesacademicus. La professeure Autier-Revu fait exception à ce que j'ai annoncé il y a quelques instants puisqu'elle a pu nous rejoindre depuis Paris et j'ai donc le plaisir de lui remettre son grade en main propre. L'Université de Lausanne, sur proposition de sa Faculté des Lettres, confère à Madame Jacqueline Autier-Revu, professeure émérite de la Sorbonne Nouvelle, le grade de docteur ès lettres honoris causa. Pour une contribution exceptionnelle à l'analyse de l'énonciation, dans le cadre d'une réflexion profonde et originale, en dialogue avec l'ensemble des sciences humaines et sociales, sur la manière dont les sujets se constituent dans la langue et les discours. Je ne peux pas vous serrer la main. Mais mes félicitations. Je pense qu'il va prendre une photo. Merci beaucoup. Restez avec nous, Jacqueline Autier. J'aimerais vous demander votre réaction. Vous êtes une amie de longue date de l'Université de Lausanne. Vous avez même conduit des recherches dans le canton de Vaud. Est-ce que le fait de recevoir ce titre, docteur honoris causa, était une surprise pour vous ? Tout à fait. Alors là, radicalement. Mais alors d'abord, Madame la rectrice, je vous remercie avec émotion de l'honneur que vous me faites au nom de l'université. Et de fait, je vous réponds,
ce que j'avais prévu de dire. Cette marque de reconnaissance pour mon travail universitaire m'a été absolument une surprise et un cadeau. Vraiment, je suis très heureuse. Et je suis profondément touchée que des collègues de l'UNIL aient pu l'envisager, penser ça, et que l'université souscrit à leur initiative. Donc je dis merci à tout le monde. Et justement, je voudrais dire que c'est depuis mes premiers contacts, il y a 40 ans, avec la vie académique lausannoise, pas seulement l'UNIL, jusqu'à maintenant, je n'ai eu que des expériences et des souvenirs, je l'espère, des projets encore un peu, heureux. Pour moi, c'est important, ça. Et alors, ça a commencé par une participation passionnante à une entreprise qui était passionnante, de renouvellement de l'enseignement du français dans les classes, sous l'égide du département de l'instruction publique du canton de Vaud. Et c'était exemplaire. Je peux pas, j'ai pas le temps de en parler plus, mais c'est un très, très bon souvenir. Et puis ensuite, un peu plus tard, à l'université, eh bien, des journées d'études, des colloques, des co-directions de thèse, des séminaires, j'ai rencontré avec bonheur à l'UNIL l'alliance de qualité intellectuelle et humaine, si précieuse et pas si courante quand même, celle de l'exigence intellectuelle vive, de l'enthousiasme et de la gentillesse et de la simplicité, je dirais de l'hyper-sérieux qui ne se prend pas trop au sérieux. Et l'UNIL est pour moi un lieu privilégié et j'espère que je n'y aurai pas que des souvenirs, mais encore quelques projets. Voilà. Moi aussi. Toutes nos félicitations, Jacqueline Merci. Autier. Merci, merci beaucoup. Je remets maintenant, sur proposition de la Faculté des hautes études commerciales, son doctorat honoris causa à la professeure Bin Yu. Madame Bin Yu est professeure de statistique et de génie électrique et technologie de l'information. Je vous invite à trouver sa présentation par le doyen de la faculté DHEC ainsi qu'une interview sur le site unil.ch/diesacademicus. L'Université de Lausanne, sur proposition de sa faculté des hautes études commerciales, confère à Madame Bin Yu, professeure à l'Université de Californie, Berkeley, le grade de docteur en Business Analytics honoris causa. À l'une des chercheuses en statistique et en data science les plus influentes de son époque, pour l'excellence et la portée de ses travaux et pour sa contribution majeure au développement et à l'avancement du domaine du machine learning. Dear Professor Yu, here is the diploma you will receive at your home, probably next week. Nous avons demandé à la professeure américano-chinoise Bin Yu de réagir à l'obtention de ce prix et voici sa réaction enregistrée à San Francisco il y a quelques jours. Well, this is truly an honor and a complete surprise. And especially so because the University of Lausanne is one of the oldest universities in Europe with 484 years of history. It has such a wide range of like fields covered from biology, physical science, art, theology, and amazing faculty, including the faculty of economic and business, which I understand was the one nominating me. And I think one of the professors actually heard of Professor Pareto work there. So this really makes a true honor. And I really appreciate the colleagues at the Faculty of Economics and Business to do the work to nominate me. I'm also very delighted that this is a Swiss university. I have visited Switzerland many, many times, including Lausanne, and some of my closest and most respected collaborators actually are from Switzerland. And it's a pity that I cannot be there for this event, but I hope to visit in the future.
Je remets maintenant, sur proposition de la Faculté des géosciences et de l'environnement, son doctorat honoris causa à la professeure Gerta Keller. Madame Gerta Keller est professeure de géosciences. Je vous invite à trouver sa présentation par le doyen de la Faculté des géosciences et de l'environnement, ainsi qu'une interview sur le site unil.ch/diesacademicus. L'Université de Lausanne, sur proposition de sa Faculté des géosciences et de l'environnement, confère à Madame Gerta Keller, professeure à l'Université de Princeton, New Jersey, le grade de docteur en sciences de la Terre honoris causa. Pour ses contributions à la controverse sur l'extinction de masse du Crétacé tertiaire, et en particulier pour son analyse quantitative globale de l'ampleur et du rythme de l'extinction et des changements du climat, des changements du climat qui y sont associés. Congratulations. A picture looking here. Thank you so much. Great. Congratulations, Gerta Keller. Thank you for being with us today. You just arrived from the United States, but we have to know that you have been raised, you grew up in Switzerland. You are from a, you have a Swiss origin. You come from Appenzell, is that right? No. No, Liechtenstein. Please tell us. All right, I will tell you. Okay, you will tell us. And of course, now you are receiving this award from a Swiss university. What does this mean to you to have this honor coming from a Swiss university? I will tell you that too. It's a great honor to receive this honorary doctorate degree from one of the top universities in Switzerland. And yes, it is beyond my wildest dreams. And I tell you why. So I tell you a little story. I was raised, my father is from Switzerland, Graubünden. My mother is from Liechtenstein. I was raised in a small farm village called Soletz in the Rhine Valley of St. Gallen. And I was number six of a dozen kids. And I thrived growing up on mostly curiosity and learning. But in school, when I told the counselor that I was going to be a doctor, I was told that was impossible. My choices were limited to a maid, a sales girl, or a seamstress. And so I became an unhappy seamstress. At age 19, I left Switzerland for good. I decided I would, if I didn't have an academic career, I would travel the world and see everything I could. And so I traveled for 4 years. And after that, I arrived finally in San Francisco. It was 1968. It was the heyday of Ashbury. It was the hippie days. And it was unusual. I was on my way to Latin America, which was the last continent I hadn't visited yet. And I found out in San Francisco that I could get an education, and it wouldn't cost me anything. And so I took my exams, and I started my education. And in 10 years, I got my PhD from Stanford University. And the rest is history. So I am truly honored with my checkered career to stand in front of you as, yes, an original Swiss, but I left 57 years ago. And while I visit often because I miss the Alps and I miss family members, I was always the black sheep, by the way. So I want to thank you all
all the way from Madame Director and rectors and deans, many of which have helped me get to here, but in particular geosciences and my long-term collaborator Thierry Haddad, who has worked with me since 1993. So I've had a long connection working with the University of Lausanne and many of its researchers, and I have thrived on that as well. So thank you so much. It is still a wild dream, but I'm very, very grateful for it. I could not imagine a better acknowledgement from Switzerland than a degree from the University of Lausanne. Thank you so much. Thank you very much, Gerta Keller. What an incredible life from Saint-Gall, now we know, from Saint-Gall to San Francisco, Princeton, and now a stop in Lausanne. Yes. And I recommend you all to see the interview we have done together that is today on the site of the Dies, because in this interview you explain the dinosaur wars. That means this incredible war between two theories, what created the extinction of the dinosaurs. Right. Thank you very much. Thank you. Donc, mesdames et messieurs, ces trois interviews sur le site du Dies vont vous permettre de mieux découvrir nos trois lauréats du jour, nos trois docteurs honoris causa. Je vous propose maintenant une nouvelle pause musicale avec la Gustave Academy. Vous allez écouter Zoé May dans une chanson qui s'appelle « Endlose Straße ». Nächstes kommen mag. Wir stehen auf einer endlosen Straße mit all den anderen. Doch wer kümmert sich um all die Seelen der verlorenen Stadt, sobald die Seuche ausgebrochen ist? Wir lernen alles darüber, doch was machen wir schon? Doch was machen wir schon? Wir
das, was wir sind, kommst du auch mit. Das ist unsere Aufgabe, das, was wir sind. Nous allons maintenant passer à la remise des quatre derniers prix de cette cérémonie, le prix de la Société académique vaudoise, le prix de la ville de Lausanne, celui de l'État de Berne et enfin le prix de l'Université de Lausanne. Ces distinctions récompensent des personnalités au parcours exceptionnel qui méritent d'être mises en lumière. Pour la première distinction, je laisse la parole au professeur François Bussy, vice-recteur à la recherche. Je vais remettre le prix de la Société académique vaudoise à M. Mokhtar Dembélé, docteur en sciences de l'environnement, dont je vous invite à trouver une interview sur notre site unil.ch/diesacademicus. Mais en premier lieu, je laisse le président de la Société académique vaudoise, maître Cyril Piguet, nous expliquer la valeur de la distinction conférée ce jour. La Société académique vaudoise est ravie de remettre une fois encore son prix lors de ce Dies Academicus. Cette année, c'est M. Mokhtar Dembélé qui est le lauréat et vu l'excellence de son travail, le jury a décidé de lui attribuer également le titre de lauréat de l'université conformément à ce que permet son règlement. Toutes nos félicitations donc à M. Dembélé. Sur proposition de la Faculté des géosciences et de l'environnement et du jury de la Société académique vaudoise, la direction de l'Université de Lausanne décerne à M. Mokhtar Dembélé, docteur en sciences de l'environnement, le prix de la Société académique vaudoise avec la mention « lauréat de l'université ». Pour les apports méthodologiques remarquables de sa thèse sur le bassin de la Volta, en intégrant les apports de la télédétection aux méthodes de modélisation hydrologique, tout en contribuant au développement de son pays, le Burkina Faso, par une meilleure connaissance du fonctionnement hydrologique de la Volta en contexte de changement climatique. Cher docteur Dembélé, voici le prix que vous allez recevoir dans quelques jours par la poste. Vous avez bien voulu réagir à l'annonce de la distinction que nous vous conférons ce jour et nous avons le plaisir de partager vos propos avec notre assemblée. Et quand j'ai appris que je recevais le prix de la Société académique vaudoise, j'étais déjà très, très heureux de recevoir ce prix-là, très heureux et très honoré, sachant la qualité des travaux de recherche qui sortent de l'Université de Lausanne chaque année. J'étais vraiment très content, honoré de savoir que mon travail avait été considéré jusqu'à ce niveau-là et que le prix de la SAV m'avait été attribué. Puis, donc là, j'aimerais bien remercier la Société académique vaudoise pour ce prix et aussi tout le jury qui a travaillé à l'évaluation de ces travaux de recherche-là. Et sans oublier, bien effectivement, mes superviseurs de thèse, professeur Bettina Schaeffli et professeur Grégoire Marietto, qui donc m'ont permis d'arriver jusque-là. Nous passons maintenant à l'attribution du prix de la ville de Lausanne. Cette remise s'est faite en différé. Elle est orchestrée par la vice-rectrice Déborah Philippe, qui ne pouvait pas être présente ce matin. Nous allons maintenant remettre le prix de la ville de Lausanne à M. Caleb Abraham, doctorant en histoire moderne à la Faculté des Lettres. Mais en premier lieu, je laisse le syndic de la ville de Lausanne, M. Grégoire Junot, nous expliquer la valeur de la distinction conférée ce jour. Je suis très heureux au nom de la municipalité de Lausanne de remettre le prix de la ville. Nous l'avons introduit en 2007, ce prix, dans le but aussi de resserrer les liens très forts entre la ville et l'université. C'est un prix qui vise à récompenser une recherche novatrice qui porte bien sûr sur la ville, qui a un lien avec la ville de Lausanne, que ce soit son histoire, que ce soit des éléments plus contemporains, culturels, géographiques, peu importe, mais qui représente un intérêt particulier pour son développement, pour son fonctionnement ou pour son histoire. Ce prix, il est important pour nous parce qu'il symbolise les relations très fortes qui existent entre la ville et l'université, des relations qui existent depuis toujours et qui ne cessent de se renforcer d'ailleurs parce que
l'expertise scientifique est évidemment indispensable à la ville de Lausanne, et la ville est un terrain de jeu fantastique pour les chercheurs. Et bien sûr, l'université joue un rôle essentiel dans le développement de la ville, dans notre rayonnement, dans sa place importante de formation au niveau suisse et au niveau international. Le travail que nous récompensons aujourd'hui, celui de Caleb Abraham, que je félicite pour son travail de recherche, a permis de retracer l'histoire intellectuelle de la ville de Lausanne, de son académie dans les premières décennies de son existence. C'est donc une grande chance pour les historiens de pouvoir bénéficier aujourd'hui de ce travail, et je tiens à le féliciter au nom de la ville de Lausanne. Sur proposition de la direction de l'Université de Lausanne, la ville de Lausanne décerne le prix de la ville de Lausanne à M. Caleb Abraham de la Faculté des Lettres. Pour avoir reconstitué avec une persévérance et une érudition remarquables le catalogue de la bibliothèque de l'Académie de Lausanne au XVIe siècle, et pour avoir redonné vie à cette bibliothèque de premier ordre, en situant l'acquisition progressive de ses ouvrages dans les grands débats intellectuels et religieux du XVIe siècle. Cher Monsieur Caleb, vous avez bien voulu réagir à l'annonce de la distinction que nous vous conférons aujourd'hui. Nous avons le plaisir de partager vos propos avec notre Assemblée. Je suis vraiment très heureux et honoré de recevoir ce prix, très reconnaissant à la ville de Lausanne, à l'université. Je remercie tous les professeurs qui ont contribué à cette formation historique à Lausanne, qui était tout à fait formidable, et qui m'a changé la vie. Je remercie aussi Silvio Corsini, qui était le conservateur des livres anciens, qui m'a fait confiance, qui m'a permis de passer des jours et des jours dans les sous-sols de la bibliothèque à consulter ses livres anciens. Et puis à ma femme pour son soutien, ses relectures. En 1964, dans le cadre de la journée du canton de Berne à l'exposition nationale, a été constitué un fonds permettant de récompenser tous les deux ans une œuvre qui contribue à favoriser les échanges et les contacts ou à encourager l'entente et la compréhension entre les différentes parties de la Suisse. Parmi les personnalités culturelles, artistiques ou littéraires lauréates auxquelles a été remise cette distinction, on compte Jean Tinguely, Stéphane Escher, Anne Cuneo, le collectif Berne ist überall et, il y a deux ans, Marie Caffari, directrice de l'Institut littéraire suisse. Cette année, le jury a choisi de remettre ce prix à la Gustave Académie pour les musiques actuelles, qui a pour programme de promouvoir la nouvelle génération de musiciens et musiciennes en Suisse et jeter des ponts entre les cultures. Cette année a également ceci de particulier qu'elle est la dernière occasion de remettre le prix de l'État de Berne, dont le fonds aura permis de distinguer et soutenir 19 lauréats pendant un peu plus de 4 décennies. Je cède en premier lieu la parole à M. Pierre-Alain Schneeg, président du Conseil exécutif du canton de Berne, pour mettre en avant l'importance de ce prix. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement bernois, j'ai l'honneur de remettre le prix de l'État de Berne à l'Académie pour les musiques actuelles, la Gustave. Cette distinction a récompensé depuis 1977 19 personnalités œuvrant pour la compréhension mutuelle de nos cultures nationales. À l'instar du canton de Berne, fort et fier de ces deux cultures, qui assume son rôle de pont entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Le prix, attribué par le Conseil d'État vaudois, a été institué en souvenir de la journée bernoise de l'exposition nationale de 1964 à Lausanne. Les expositions nationales nous invitent à nous interroger sur notre identité confédérale, à comprendre ce qui nous unit par-delà nos différences. La compréhension mutuelle et le respect sont les garants de la stabilité et du succès de notre pays. Aujourd'hui, c'est grâce à ces bases solides que la nouvelle génération peut se développer, innover et créer. Mesdames et messieurs, la devise de l'Exposition nationale de Lausanne était « croire et créer », avoir confiance en soi et bâtir l'avenir. Ces mots restent d'actualité. Et c'est bien volontiers que je les adresse aux lauréats du prix de l'État de Berne.
Sur proposition de la direction de l'Université de Lausanne, le Conseil d'État du canton de Vaud décerne le prix de l'État de Berne à la Gustave Académie pour les musiques actuelles. Pour ses prometteuses activités de formation et d'accompagnement des jeunes musiciennes et musiciens de toutes les régions linguistiques de la Suisse et pour son remarquable engagement dans la promotion des échanges entre les différentes cultures nationales. Merci. Toutes mes félicitations. On va regarder la caméra pour une photo. Pascal von Lanten, toutes nos félicitations pour ce magnifique prix. Vous, vous révélez des talents et aujourd'hui, c'est vous qui êtes récompensé. Comment est-ce que vous vivez ce moment ? C'est vraiment un très grand honneur. Hein. On est pas du tout expecté de recevoir un prix parce que nous, ce qu'on fait, c'est pas pour recevoir des prix. C'est vraiment quelque chose qui est depuis longtemps important pour nous tous qui a fondé cette académie. C'est comment on peut mettre les gens ensemble de ce pays qui vivent un peu à côté, un à l'autre, au lieu de travailler ensemble. Parce que c'est tellement un avantage et puis une richesse de notre pays. Et moi, j'étais instituteur, ça ne marchait pas dans l'école. On faisait des projets, ça ne marchait pas. Et puis après, on se dit, il faut faire quelque chose d'autre à travers de la musique, parce que les jeunes, ils ont envie de faire la musique. On le met ensemble. Il ne faut pas rêver. Les jeunes, ils ne parlent pas français ou allemand. Finalement, ils parlent anglais ensemble. Mais c'est ça, c'est le but, c'est vraiment d'avoir cet échange culturel qui est important. Et on a des jeunes comme John Steers, par exemple, qui était chez nous. On a des jeunes qui ont pris, ils ont reçu... Troisième à l'Eurovision de la chanson. Oui, oui. Mais il y a aussi des autres qui ont reçu une place à une école d'art à Amsterdam. Un jeune qui a reçu une des rares places pour composition de film. Donc, ce sont des différents chemins. Et puis, merci beaucoup pour ce prix. Ça nous encourage encore pour continuer. Dernière question. Pourquoi Gustave ? Gustave Académie. Ça, c'est mon nom d'artiste. Moi, j'avais une carrière 20-25 ans. Je faisais des chansons allemandes et français. Et ça, c'est mon nom d'artiste. Et finalement, moi, je ne suis plus un artiste. Je suis devenu une institution. Donc, c'est un peu l'idée derrière. C'est une association. Moi, je suis un des membres de l'association. Bravo. Et beaucoup de succès à vos musiciens et chanteurs. Merci beaucoup. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons procéder à la remise du prix de l'Université de Lausanne, qui récompense chaque année une personnalité ayant contribué au rayonnement de notre institution. Cette année, la direction a choisi de distinguer en remerciement de son action en faveur de notre institution le professeur Thomas Römer de la Faculté de théologie et de sciences des religions et depuis bien des années, professeur au Collège de France, dont il est même aujourd'hui l'administrateur. Je vous invite à trouver la présentation de Thomas Römer ainsi qu'une interview sur notre site dédié au Dies Academicus. Notre lauréat nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. C'est donc en main propre que nous allons pouvoir lui remettre son prix. L'Université de Lausanne, sur proposition de sa direction, décerne le prix de l'Université de Lausanne à M. Thomas Römer, professeur honoraire de la Bible hébraïque de l'Université de Lausanne et administrateur du Collège de France. À l'éminent spécialiste de la Bible hébraïque, qui par l'excellence de ses travaux et la diversité de ses approches, a fait progresser la compréhension des origines du monothéisme et a fait rayonner l'UNIL dans les universités du monde entier. Au pédagogue hors pair, toujours soucieux de rendre son travail accessible au grand public, au diplomate, que les qualités relationnelles et de conviction ont mené à la tête du prestigieux Collège de France. Merci avec nos félicitations. Merci. Et voilà. Merci. Toutes nos félicitations, Thomas Römer, pour ces deux prix,
un prix en lapin. Oui, je découvre, c'est très joli. Vous arrivez de Paris, vous êtes venu ici pour la remise de ce prix. Peut-être dites-nous en quelques mots qu'est-ce que ce prix représente pour vous. Pour moi, ce prix représente beaucoup parce que normalement, c'est à moi qui devrait en fait donner un prix à l'Université de Lausanne. Parce que si je peux arriver au Collège de France, c'est grâce à l'Université de Lausanne. J'ai trouvé dans cette université une ouverture, une liberté d'esprit, une incertitude joyeuse qui a toujours en fait encouragé la recherche. Et je voudrais aussi rendre hommage à l'ancien recteur Dominique Arletta, qui a orienté l'UNIL vers les sciences humaines, ce qui n'était pas du tout évident à l'époque, mais qui a montré en fait que les sciences humaines participent en fait à la construction du savoir. Et je suis très, très touché de recevoir ce prix aujourd'hui. Merci et toutes nos félicitations, Thomas Remer. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la dernière partie du DIES. Cette cérémonie marque la clôture du mandat de la direction actuelle de l'Université de Lausanne. 5 années extrêmement riches, passées sous la conduite de la rectrice Nuria Hernández. Un prix Nobel, une pandémie. Et pour revivre ces 5 années extraordinaires, eh bien, nous vous proposons un film. Ensuite, eh bien, vous verrez, changement de décor, nous allons nous retrouver dans quelques instants dans un cadre beaucoup plus vaste pour la passation de pouvoir entre les deux équipes de direction. Et puis, c'est un grand moment, évidemment, à ne pas louper. À tout à l'heure. L'Université de Lausanne, les derniers 5 ans ont été très très riches. Je pense qu'on peut dire sans hésiter qu'on a vu le pire et le meilleur. Commençons par le meilleur parce que d'une façon temporelle, c'est ce qui s'est passé en premier. Le 4 octobre 2017, nous apprenons que Jacques Dubochet, notre professeur, gagne le prix Nobel de chimie. C'était la première fois que l'Université de Lausanne avait un prix Nobel. C'était le premier prix Nobel en Suisse romande. Et ça a donné une visibilité à l'Université de Lausanne qui, je pense, était absolument extraordinaire. Le pire, ça a été la crise Covid, évidemment. C'est une crise qui a bouleversé nos vies, mais c'est une crise de laquelle l'Université de Lausanne a énormément appris. On a réussi à passer tous nos enseignements en ligne et je pense qu'on a pris conscience de ce qu'on est capable de faire. Je pense qu'on est une communauté avec des compétences exceptionnelles et aussi avec une loyauté de la plupart des gens qui travaillent à l'université envers leur institution qui est absolument exceptionnelle. Je pense qu'on a vraiment développé la recherche, l'enseignement, l'efficacité dans les processus, mais tout ça, c'est le résultat du travail d'une équipe. Et j'ai eu la chance d'avoir une équipe absolument formidable pendant les derniers 5 ans. Eh bien, la recherche au cours de ces 5 années, ça a continué de se développer avec de très beaux succès, des prix magnifiques comme celui de Jonah Joyce, l'obtention du NCCR Microbiome, par exemple, et tout ceci malgré la crise du coronavirus. Nous avons créé les centres interdisciplinaires de recherche dont on attend beaucoup, beaucoup de synergies entre facultés, entre disciplines. Mais ma plus grande satisfaction, elle est encore ailleurs. Elle est dans la création du service de soutien à la recherche ou centre de soutien à la recherche qui sera là pour soutenir, inspirer les chercheurs dans les méandres en fait de toutes les contraintes qu'ils ont et qui sont croissantes au niveau de la recherche. Et encore un thème qui m'est très cher, mais qu'on oublie souvent de mentionner, c'est la formation continue dont je me suis occupé et qui a vu une croissance de ses activités phénoménales au cours des années passées, 40 à 50% d'augmentation de ses programmes, beaucoup d'enthousiasme parmi la communauté des enseignants-chercheurs. Et c'est l'avenir, le lifelong learning. Pour l'enseignement, ces 5 années me font penser à un voyage au long cours sur ce magnifique navire qu'est l'UNIL.
avec un fringant équipage à qui va toute ma reconnaissance et des milliers d'étudiants avides de découvertes. Nous voulons les choyer, mais la tempête Covid nous a entraînés dans des contrées inconnues, souvent hostiles. Nous avons dû passer à l'enseignement en ligne, faire des examens aussi en ligne. Nous avons tous et toutes été malmenés, souvent mécontentés, mais nous arrivons à bon port, enrichis de ces aventures, et je pense que nous pouvons en être fiers. Pour illustrer cette période, j'ai envie de citer deux chapitres du journal de bord. Tout d'abord, le soutien apporté par les facultés et les services aux étudiantes et aux étudiants. Les études à temps partiel en sont un exemple, et si vous en voulez une belle illustration, voyez Madame Alia Del Ponte, à qui nous avions décerné le prix de l'Université de Lausanne il y a une année. C'est une étudiante de notre faculté de lettres et c'est aussi une athlète de niveau olympique dont les performances sont actuellement éblouissantes. Et le second chapitre du livre de bord, c'est le soutien à l'enseignement lui-même et en particulier le déploiement des outils numériques. Il a été fortement accéléré par les impératifs liés à la pandémie. Et voilà, maintenant, c'est à nous d'en faire un usage réfléchi dans la mesure où cela contribue à améliorer notre offre aux étudiantes et aux étudiants. Donc pendant la période 2016-2021, le soutien à la relève a été un élément extrêmement important de mon dicastère. Un événement marquant de la période est l'organisation en septembre 2018 de la finale internationale MT180, où nous avons donc eu la chance d'accueillir sur le campus 18 jeunes chercheuses et chercheurs venus du monde entier francophone. Alors ce soutien à la relève, son outil principal, je dirais, c'est le Graduate Campus, qui consiste à soutenir et conseiller les membres de la relève, c'est-à-dire les doctorants, doctorantes et post-doctorants et post-doctorantes. L'Université de Lausanne, c'est également un lieu de vie, un lieu d'échange, et c'est quelque chose dont nous avons tenu compte pendant ce mandat, notamment au sein de mon dicastère, avec la création de ce nouveau service, culture et médiation scientifique, qui visait à mieux exploiter les interactions entre art et science et apporter la politique institutionnelle en matière de contribution de l'UNIL à la société. A accueilli les Jeux Olympiques de la Jeunesse, on a l'impression que c'était il y a très très longtemps, mais c'était juste avant la pandémie, heureusement. C'était aussi l'occasion pour des chercheurs, pour des étudiants de participer à l'événement, de montrer aussi ce que l'université sait faire en termes de sciences du sport notamment. Et puis c'était l'occasion de construire un bâtiment, le bâtiment Vortex, un bâtiment emblématique. Cette expansion très importante du campus, il y a plein de chantiers qui se sont ouverts. Ça présente évidemment une chance énorme pour l'université, mais aussi des enjeux d'urbanisme, des enjeux de durabilité. Il faut faire ça de manière responsable. L'université s'y emploie depuis longtemps. Tant et si bien que cette stratégie a été validée par le label Site à 2000 watts en transformation de l'Office fédéral de l'environnement. En matière d'enseignement et de recherche, dans ces 5 ans, nous avons créé, et nous en sommes très fiers, le Centre interdisciplinaire de durabilité, qui est un service qui soutient les enseignants-chercheurs et les étudiants et les acteurs de la société dans leurs projets pour la durabilité. Ce centre a été créé au printemps 2019 et une des premières choses qu'il a pu faire, c'est soutenir l'organisation d'associations d'étudiants de toute l'Europe pour accueillir ici à l'UNIL en août 2019 le SMILE, le sommet européen des grèves du climat. C'est évidemment une fierté. La principale richesse de l'université, ce sont ses ressources et d'abord, bien sûr, les collaborateurs et les collaboratrices. Ce que l'on peut constater quand même, c'est que l'environnement dans lequel travaillent les collaborateurs et les collaboratrices est très apprécié. En effet, dans le cadre d'une étude que nous avons réalisée l'année passée, on constate que le taux de satisfaction moyen de l'ensemble de ces personnes s'établit à pratiquement 9 sur une échelle de 0 à 10.
Donc un excellent résultat qui démontre un environnement propice à l'exécution des missions de l'Université de Lausanne. La crise que nous avons vécue a aussi mis en évidence la nécessité de tirer des enseignements et de s'adapter, et notamment de tenir compte de l'hybridation de l'activité. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'une nouvelle directive sur le télétravail. C'est donc une avancée qui tient compte des enseignements que nous devons tirer du Covid et qui permettra la réalisation des missions de l'université dans un mode beaucoup plus flexible pour l'ensemble des personnes concernées. Finalement, pour exercer l'ensemble de ses missions, l'université a besoin de moyens financiers. Durant ces 5 dernières années, le budget de l'université, grâce aux subventions octroyées par les collectivités publiques, a augmenté de plus de 50 millions, soit à peu près une augmentation d'environ 10%. C'est grâce à ces moyens additionnels fournis par les collectivités publiques que l'université est vraiment en mesure d'assumer l'ensemble des missions. Alors pendant les 5 dernières années, on a développé beaucoup de collaborations interinstitutionnelles. Je peux donner quelques exemples. Le bâtiment Agora, qui abrite des groupes de chercheurs issus de 5 institutions différentes et qui travaillent tous dans le but commun de trouver des nouvelles thérapies pour lutter contre le cancer. Un autre exemple, c'est le centre du Bochet, qui va naître dans les prochaines semaines et qui unira les PFL, l'Université de Genève et l'Université de Lausanne. Et je pense qu'à l'avenir, il va être extrêmement important que ce genre de collaboration se multiplie, parce qu'en Suisse, nous avons des universités cantonales, mais qui ont un niveau mondial. Et il nous faut absolument rester unis, il nous faut continuer à collaborer pour rester les meilleurs. Mesdames et messieurs, nous étions auparavant à l'intérieur du Vortex. Bienvenue à l'extérieur. Nous nous trouvons ici dans la cour intérieure de ce magnifique bâtiment circulaire. À ma droite, l'actuelle direction de l'Université de Lausanne, sous la conduite de la rectrice Nouria Hernandez. Et puis à ma gauche, la future direction conduite par Frédéric Hermand, chercheur et spécialiste mondial des glaciers. Tous les deux, recteurs, rectrices, des scientifiques, tous les deux extrêmement engagés sur tous les enjeux climatiques et environnementaux. Nouria Hernandez, j'aimerais vous demander quel est votre souhait pour l'Université de Lausanne pour ces 5 prochaines années. J'ai beaucoup de souhaits pour l'Université de Lausanne, mais je pense qu'un des souhaits que j'ai, c'est que l'université en tant qu'université, qu'unité de recherche, puisse se concentrer sur ce qui est vraiment important, ce qui compte, ce qui est urgent. Et je pense que si on réfléchit très honnêtement à ça, on se rend compte que la seule façon d'y arriver, c'est de collaborer avec les autres universités de Suisse, avec les autres hautes écoles de Suisse. Il faut mettre ensemble nos ressources en matière grise et nos ressources financières, parce que les défis sont énormes et on a besoin de travailler tous ensemble pour réussir. Frédéric Hermand, je me tourne vers vous. Vous prenez vos fonctions dans 2 mois. Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'aube de ce nouveau mandat? Ben évidemment, avec mon équipe, nous sommes impatients de pouvoir commencer. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on se voit pour réfléchir au futur. Évidemment, les défis sont énormes, on vient de l'entendre. Nous espérons pouvoir avoir des conditions d'enseignement, de recherche et puis d'évolution de carrière pour les personnes, pour tout le monde au sein de l'université, dans un monde que nous appelons post-Covid, en espérant que la crise soit passée, mais nous vivrons quand même avec les conséquences. Il y a d'autres défis, la transition écologique, les enjeux sociétaux liés aux technologies numériques en particulier. Il y a aussi les questions d'égalité, de diversité et d'inclusion. Et puis finalement, et ça fait partie de notre nouvelle équipe et de l'équipe actuelle, c'est de continuer sur le renforcement de la place et de l'impact des sciences dans la société. Et là-dessus, je remercie quand même l'équipe de direction actuelle qui nous donne l'université dans d'excellentes conditions malgré cette crise. Encore un mot peut-être pour les étudiants, parce que nous sommes ici au cœur du Vortex, 700 appartements, des logements pour 1000 étudiants. Quel est le souhait, ou est-ce que vous avez des projets qui concernent en particulier les étudiants pour le futur ? Oui, comme je le disais, on en parle beaucoup, on a ce souci d'avoir un retour sur le campus. Je pense que ce bâtiment est un symbole de la crise parce qu'il a été inauguré en plein milieu de la crise et nous n'avons pas pu en profiter pleinement.
Je sais que certains étudiants et étudiantes en profitent déjà, mais si on pouvait le faire vraiment tous ensemble, c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour l'université. Tous nos voeux à la future direction, mesdames et messieurs, et toutes nos félicitations à l'équipe sortante. J'aimerais surtout vous remercier, vous, d'avoir participé à cette cérémonie du DIES 2021. Nous espérons tous vous retrouver ici physiquement l'année prochaine et beaucoup plus nombreux. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et on va se quitter en musique avec un dernier morceau de la Gustav Academy interprété par Iklaus Schwarz et Dekiti Akato. Vous allez voir du rap pour bien terminer cette matinée, rien de tel pour vous donner beaucoup d'énergie. Yeah, yeah, yeah. J'ai fait mon choix et c'est le choix d'écrire. J'écoute pas la raison, ouais c'est quoi qu'elles disent. C'est écrit dans le ciel qu'il n'y a pas de rêve trop gros. Je vais faire de l'art et du roro. Je suis toujours le même, j'ai juste appris à me bagarrer. La team est taillée sur mesure, on n'a pas un qui est pas carré. Gros, c'est nous qu'on a le talent, les idées, le bonjour. C'est plus le bordel dans mes bégas que dans un putain de. Tu veux une vibe? Follow me, là où qu'éthiquement pas, j'arrive avec mon équipe d'en bas. Ce qu'en fait, tu ne trouveras nulle part ailleurs. Parce qu'en rendant aucun putain de chablon, aucun putain de chablon, aucun putain de chablon. Tu veux une vibe? Follow me. Tu veux une vibe? Ah ouais, t'as capté ou pas? Ce qu'on m'a enseigné, pas faire les choses à moitié. Ce qu'on m'a enseigné, pas faire les choses à moitié. Ce qu'on m'a enseigné, pas faire les choses à moitié. Yeah, yeah. Yeah, yeah. J'ai fait mon chemin, mon chemin, mon chemin, mon chemin, mon chemin, mon chemin, mon bonhomme de chemin, de chemin, de chemin, de chemin. Bang, 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 bang. J'entends les envieux dire mais il fait quoi là? J'ai bossé pendant que dormais comme des koalas, mais plutôt pour mes fus forcés après trois là. Si vous fallait une vibe, la voici, me voilà. Parce qu'en rentrant aucun putain de chablon, aucun putain de chablon, aucun putain de chablon. Tu veux une vibe? Follow me. Tu veux une vibe? Ah ouais, t'as capté ou pas? Ce qu'on m'a enseigné, pas faire les choses à moitié. Ce qu'on m'a enseigné, pas faire les choses à moitié. Ce qu'on m'a enseigné, pas faire les choses à moitié. Et parfois je m'éteins. Je suis le noir de la lune, la lueur du matin. Si j'ai toujours le sourire aux lèvres, c'est parce que mon compte il est faux, je n'arrive pas à l'ôter. Toujours faire bonne impression. Dans ma tête j'entends des voix à doter. Je sens ma vie qui me passe à côté. Les courants sont trop forts, je me fais balloter. Je suis la houle, les vagues, de celle qui s'accruse dans les plaies. Étoile qui le guide dans ses pas, le seum. Je suis la lune qui l'éclaire. Je suis le vide qui l'effraie. Et je suis le voilier. Et je suis naufragé voilier. Perdu dans cette immensité. Perdu à la recherche de mon identité. Je suis le voilé. Et je suis naufragé voilé. Perdu dans cette immensité. Perdu à la recherche de mon identité. J'ai compris un truc fondamental. Il faut être là pour elle qu'on fond la main en larmes. On a tous envie d'atteindre des sommets, mais trop souvent on confond la montagne. J'ai compris un truc fondamental. Il faut être là pour elle qu'on fond la main en larmes. On a tous envie d'atteindre des sommets, mais trop souvent on confond la montagne. Je suis ce petit garçon qui ne savait pas comment faire face aux moqueries. Ces moqueries qui l'ont tellement touché qu'il s'est senti trop longtemps comme un moins que rien. Qui s'est coupé de ses parents, car bien trop sensible. Mais que les émotions ravagées comme la marée, les plus gros des châteaux en sable. Je suis Stado qui s'est coupé de ses parents. Le malade des emparelles, boulimique écœuré. Le prisonnier, la prison, le pardon et le gardien devant les barreaux. Et je suis le voilier. Et je suis mon frère, j'ai voilé. Perdu dans cette immensité. Perdu à la recherche de mon identité. Je suis le voilier. Et je suis mon frère, j'ai voilé. Perdu dans cette immensité.
perdu à la recherche de mon identité. Perdu entre ombre et lumière. Parfois je brille et parfois je vacille. La noirceur de mon obscurité me fascine. Perdu entre ombre et lumière. Parfois je brille et parfois je vacille. J'ai rien n'est pas facile. Si quelqu'un m'entend, il me fascine.